Soyez sur vos gardes. Il y a beaucoup d'énergie dans la pièce. Vous ne les sentez pas? Allez-y. Oubliez ce que vous voyez. Essayez plutôt d'établir le contact à l'aide de vos perceptions. Ah, vous les sentez? Ah, vous entendez? C'est la force que vous sentez. Vous ne pouvez pas avoir... Ne vous détournez pas d'elle. Venez. Ah, quelqu'un vit encore derrière ça. Mais vous n'avez rien à craindre. Sympa cette tenue. L'uniforme réglementaire de... Aton. Aton, Rand. Pardon, je vous serre pas la main. Ce champ magnétique provoque de légères brûlures. À ce qui paraît, j'aurais enfreint une réglementation. C'est complètement bidon. Vous voulez dire avant ou après l'apparition du Jedi? En tout cas, quand un Jedi débarque, on sait ce que ça veut dire. La République tout entière va pas tarder. Mais c'est là que l'histoire devient carrément marrante. Comme notre Jedi était dans le coma, certains de ses mineurs en ferro-béton se sont mis dans le crâne qu'ils allaient en prendre. Les autorités ont pas apprécié l'idée, et un conflit... Et il y a eu une énorme explosion. Ensuite, je suis resté là, à attendre qu'un mineur à moitié... Je sais pas trop, peut-être que l'échange est en manque de trophées. Ou alors que des Jedi, il en reste pas des masses. L'échange est une vaste organisation criminelle qui agit surtout autour... Je sais pas grand-chose. Soit ils leur en veulent personnellement, soit c'est une question de business. En tout cas, c'est pas les quelques Jedi qui restent. Ceux qui n'ont pas été tués lors de la guerre civile des Jedi ont raccroché leur sabre laser. Ouais, Revan, Malak et les Jedi qui sont ralliés à leur cause lors des guerres mandaloriennes. Ils sont...
En fait, Revan, Malak et les autres Sith ont commencé à se battre entre eux après s'être attaqués. C'est ce que dit l'histoire. Mais quels que soient les événements qui se sont déroulés, il y a eu une terrible guerre civile sur Corriban. Vous avez peut-être raison. C'est sans doute parce que je préfère... Je voudrais pas vous vexer, mais votre interrogatoire... Hey, une minute. C'est vous le Jedi dont parlaient les mineurs. Ils peuvent pas tous avoir disparu. Écoutez, sortez-moi de là, je vous aiderai. Je suis plus... Nous ne sommes pas en zone militaire. Fermez le champ de sécurité de cette cellule. Moi, je réoriente les systèmes d'urgence pour qu'on puisse sortir des hangars. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Parfait. Maintenant, faut que je trouve la console. Nous y voilà. Cette console vous salue automatiquement quand vous entrez. Vous avez dû l'entendre. Tous les vaisseaux entrants sont informés en temps réel de la trajectoire orbitale des astéroïdes. Histoire d'eau. Un message sonore les avertit de garder leur distance en attendant la transmission des données vectorielles. Puis il leur donne des... L'astuce, c'est qu'on peut répercuter ces transmissions ici. Du coup, on a accès à la console. C'est un jour à jouer ou pas de Zack. Maintenant, on réactive les turbo-élévateurs, on débloque le verrouillage d'urgence... Hey ! Ce système est coupé du noyau central. Il a été verrouillé à distance. On peut même pas dévier les... Non, quelqu'un a essayé de bloquer la totalité de ce niveau et nous avec. On est pris au piège. Ça m'étonnerait. Les transmissions nous reviennent. On peut essayer, mais si c'est les mineurs qui nous ont coincés ici dans le but de... Faites comme chez vous, ça ne coûte rien d'essayer.